Anne, tu peux dégager. Cappuccino, t'es déguisé ou quoi? Ma mère et ma famille, ils ont organisé une fête d'anniversaire pour moi et ma soeur jumelle. Vu que j'ai une soeur jumelle qui s'appelle Nasser et moi je m'appelle Nasser. Et franchement, ça m'a fait du bien. Il y a une peine parce que je voyais que ma famille n'osait pas me parler de l'histoire que j'ai racontée hier. Ils souriaient tous, mais ça se voyait qu'eux aussi, ils étaient impactés. En plus de ça, aujourd'hui, j'ai encore été convaincu, mais j'ai même plus envie d'en parler. Il y a encore des éléments qui sont sortis et c'est encore bien plus grave que ce que je pensais, mais j'ai même plus envie de parler. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Merci, Wallah. J'ai pas pu répondre à tout le monde. La chaîne est vraiment ensemble fort, fort, fort. Ils m'ont préparé à un anniversaire surprise. Pourtant, j'ai été clair et formel. Avec ce qui se passait, etc., j'ai dit que j'avais vraiment pas le mental, mais ils l'ont quand même fait. Du coup, je vais vous présenter les déguisements de chacun. Superwoman, tu peux dégager. Cappuccino, t'es déguisant ou quoi? Flintstone, Fred. Avant, il n'y avait pas des claquettes. 220 euros, Roberto Cavallo. Vas-y, dégage. Tu vas prendre le cadeau, arrête. Merci, c'est gentil. Je suis un Cambodgien déguisé en chinois. T'es un Cambodgien déguisé en chinois. C'est basique, mais j'aime bien, non? Je dégage. Dégage. Ouais. À la deux. Dégage. Cléopâtre, waouh! Franchement? Merci. 4 BTV? Alcatraz, mon gars. T'es un dollar américain? Bien sûr. T'es là cette année? Oui, mon gars. Ah, mais il y a sa policière juste derrière? Wesh! Non, j'ai le démon. Original, voilà. Basketteur. Basket quoi? Basketteur. Mais frérot, attends. Comment ça, basketteur? Comment ça? Tu m'arrives au menton? Mais c'est basket en Asie. Ah, basket en Asie, d'accord, ok. Dégage. Je vous dis. Mais j'ai pas marre. Je suis désolé, mais c'est la plus belle. Oh. Ah, mais c'est vrai. T'es déguisé en quoi? Ah ouais, elle a pas le temps, d'accord. C'est 18? Oui. T'es déguisé en panda? Qui lui a dit de se déguiser comme ça? Qui lui a dit? C'est toi qui as choisi? C'est toi qui as choisi? Hey, casse-toi, s'il te plaît. Wesh! Mousse! Bon Marley, mec. Bon Marley? T'as la classe. Waouh, tu vois, c'est le Joker, là. Waouh, le Joker. En plus, t'as vraiment... Ouais, exceptionnel. Exceptionnel, Maïdine. Ramzi? En geisha. En geisha? À tout? J'ai pas compris, mais dégage, voilà. Ouais, ok, dégage. Ah, mort. Prisonnier, waouh. Belle. Vas-y, j'ai même pas envie de savoir ce que c'est, là. C'est quoi? Ben, la panthère rose. Ah, la panthère rose, d'accord. Ben, bien. Pourquoi? Tout le monde a fait un effort. Tout le monde s'est quasi bien déguisé. Pourquoi à chaque fois il n'y a que toi, trou du cul? Ah là, tu ne reconnais pas en quoi tu es déguisé. Ah, parce que t'es déguisé? T'es déguisé en quoi? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé? Allez, casse-toi, voilà, casse-toi. Prochain. Original, j'aime bien. Prochain. Oh, mais je crois que c'est le meilleur déguisement pour ce soir là. Franchement, j'aime bien. Prochain. Ah. En ninja. En ninja. Mais j'aimerais savoir, est-ce que ce ninja peut nous montrer sa tête? Attends, on a un pour Esteban. Esteban est là. Beaucoup m'ont posé la question, mais où est passé Esteban? Et Esteban, il est où? Bravo Esteban. Footballeur américain. Footballeur américain? Ouais. T'as la classe, mon pote. Même dans tes choix, t'es classe. Attends. Je dois deviner en quoi il est déguisé? Je sais, c'est soit un frigo, soit un matelas. Vous m'avez fait mon anniversaire et du coup, je tenais à tous vous remercier. Ça fait plaisir. Et...
s'il vous plaît, s'il vous plaît. DJ, fais péter le son. Ouais.